Hey, coucou les licornes, carnet de voyage Persa, saison 2, épisode 147 sur 365. Bon, j'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. Ça va très très vite en ce moment. Il se passe plein de choses, voilà. Pour tout le monde, j'ai l'impression, ou au moins quand même un certain nombre de personnes. Voilà, tout s'accélère. On est déjà au mois de décembre, on est le 1er décembre, et on se dit, mais c'est pas possible, on est déjà à la fin de l'année, dans 3 semaines c'est Noël, je n'ai rien vu passer. Oui, le temps s'accélère, tout s'accélère. Je vous rappelle qu'il n'y a plus 24 heures dans une journée, mais beaucoup moins. Voilà, il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qu'on voit bien, on se dit oh, le temps passe vite, ou oh là là, mais on est déjà là le soir ou telle date, j'ai pas vu le temps passer, etc. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, de s'accélérer, mais sans qu'on ait forcément de conscience dessus. Et oui, bah, c'est parce qu'il se passe plein de choses non visibles sur cette planète Terre. Voilà, et beaucoup de choses qui nous dépassent et qu'on n'a pas non plus besoin de tout savoir. C'est le mental qui veut savoir, sauf que bah, le mental, son fonctionnement, il est basé sur des référentiels qu'il connaît, existants, qu'il a vécu. Et là, bah, tout ce qui arrive, nous ne le connaissons pas, nous ne l'avons pas vécu, c'est nouveau. Voilà, il y a un énorme passage qui est en train de se faire vers une nouvelle humanité, vers un nouveau monde, et il se vit à l'intérieur de soi en premier lieu. Avant de commencer, j'ai déjà commencé du reste, j'y suis allée. Je vous ai pas partagé, mais c'est mercredi ou jeudi. Non, c'était mercredi, en fait, ou mardi, on s'en fout. En fait, en sortant mes poubelles, il y avait une carte comme ça qui était par terre sur la place de chez moi. Et je dis, ah, donc elle était juste devant moi. Et je dis, ok, ben, qu'est-ce qu'elle me réserve cette carte? Et quand j'ai retourné, il y avait le 2 de cœur. Sortir ses poubelles, donc je ne sais pas d'où vient cette carte, on s'en fout. C'est juste des messages, on en a des blindes tout le temps, c'est juste qu'on ne les voit pas. En fait, sortir ses poubelles, ça équivaut à je fais le ménage, j'épure, j'allège, voilà, tout ce dont je n'ai plus besoin, ou tout ce qui est nécessaire d'être mis à la poubelle pour être recyclé, etc. Et là, en fait, bah, nous, on est en train de faire ça, hein, pour tous ceux qui sont sur ce chemin de conscience. Et ceux qui ne le sont pas, le font sans s'en rendre compte, mais le font quand même. Voilà, puisque nous venons tous nous venons tous jouer, que ce soit le plateau de jeu 3, 4, 5, on s'en fout. 6, 7, 8, on est tous main dans la main, sans en avoir conscience et que. À chaque fois qu'il se passe quelque chose pour un humain, et Dieu sait qu'il se passe 3 milliards de choses toutes les secondes, eh bien, ça vient interagir avec d'autres êtres humains. Donc, je le répète, nous ne faisons jamais les choses seuls, et Dieu sait qu'il y a plein de choses qui se font sans en avoir conscience. Cette nuit, moi, j'ai de nouveau fait une nuit où je me suis réveillée en nage. Je me suis réveillée à 2 h du matin jusqu'à 5 h du matin pendant 3 heures éveillée. Du coup, bah, j'en ai profité pour chatter avec une copine qui est sur une île. Donc elle était en pleine journée, moi en pleine nuit. Donc on a discuté toutes les deux. C'était vraiment super sympa. Puis après, j'ai regardé des vidéos sur des personnes qui vont en Amérique du Sud en camping-car. Enfin bref, voilà. Et en fait, j'ai fait un rêve cette nuit qui est récurrent. C'est un rêve qui est là bah, depuis longtemps. Et en fait, tout à l'heure, en parlant avec Elliot, j'ai capté d'où ce rêve venait. Et en fait, ce rêve, je ne me rappelle pas si je l'avais eu avant d'avoir eu cet accident ou pas. Je ne me rappelle pas. Bref, je fais un rêve récurrent qui est bah, je suis en voiture et je saute dans le vide. En fait, donc cette nuit, j'étais avec ma voiture sur une route, il faisait noir, et en fait, j'ai pas de visibilité. Puis quand j'en ai, quand les phares s'allument, je vois que là, il y a beaucoup de neige sur la route. C'était une toute petite route de montagne, et j'allais beaucoup trop vite. Et du coup, bah, je perds le contrôle de ma voiture, et ben, bah, elle saute en fait.
Et là, c'est hyper rigolo parce qu'à chaque fois que je fais ce rêve, et donc ça fait des années que je fais ce rêve, en fait, ben, je me réveille comme si je venais volontairement créer le réveil. Et là, je me dis, parce que je sais que je vais mourir dans le rêve, et là, du coup, je me réveille, je me dis, c'est bon, je suis réveillée, c'était un rêve, donc je ne suis pas morte. Mais je viens empêcher la mort. Et en fait, quand j'avais 20 ans à peu près, j'avais acheté une voiture dans un garage et j'avais voulu l'acheter toute seule. Moi, j'étais très très indépendante, très très, je fais tout toute seule. Et je sais plus jusqu'à là, j'avais 18-20 ans, bref, on s'en fout. Et en fait, j'ai eu un accident de voiture. Donc, je rentrais de soirée, de discothèque. Moi, je buvais pas, donc il n'y avait pas d'alcool. Et en fait, il y avait un virage. Et je perds le contrôle de ma voiture ne répond plus. Et là, bah, du coup, je ne peux pas prendre le virage. Et là, je saute dans un ravin. Et là, en fait, je vois en effet des séquences de ma vie qui apparaissent. On le dit, en fait, quand on va mourir, ou peut-être quand il se passe un truc où il y a une telle adrénaline qu'on croit qu'on va mourir, eh bien, il y a des séquences de sa vie qui sont projetées, on les voit. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé. Voilà, je fais cette sortie de route, je plonge et je vois des séquences de ma vie. Donc moi, je me dis, c'est bon, je vais mourir. Et en fait, ma voiture a fait des tonneaux et c'est un arbre qui a retenu ma voiture. Et en fait, j'avais très peur de bouger, de peur que ma voiture continue en fait à descendre. Et il se trouve que la personne qui m'a récupérée, c'est parce que de la route, on voyait les phares allumés. Et en fait, ben c'est quelqu'un que je connaissais, et en plus qui était bourré. Et il a eu une telle adrénaline qui est montée que ben, ça l'a dessoulé. Et c'est lui qui est venu en fait me récupérer dans cet accident de voiture. Et en fait, c'était une période où j'ai eu à 15 jours d'écart deux accidents de voiture assez graves. Et en fait, ce rêve donc de sauter dans le vide et je vais mourir s'est reproduit cette nuit. Donc, tout à l'heure, en fait, bah, en discutant avec Elliot, je lui partage que je fais ce rêve. Et là, ting, j'ai l'info et ça me dit, bah oui, en fait, ça s'est vécu. Donc, t'as une mémoire de peur de mourir qui est là en accident de voiture, etc. Et en plus, le deuxième accident que j'ai eu, je rentrais de discothèque. Alors là, c'était pas moi la conductrice, c'était quelqu'un d'autre. Je venais de rencontrer quelqu'un. Et c'est un de ses copains qui conduisait, il était drogué, il avait bu de l'alcool, enfin la totale, et il a roulé très vite, et en fait, eh ben, pareil, il n'a pas réussi à prendre le virage, il allait tout droit dans un mur, donc on a percuté le mur, et comme lui était dans un sale état, ben, ils sont allés, hey, coucou Myriam, ils sont allés prévenir quelqu'un du village, il y avait même la plaque d'immatriculation incrustée dans le mur, tellement le choc avait été violent, moi j'étais à l'arrière. Et donc c'était personne va à l'hôpital parce que lui il voulait pas être mis en responsabilité bien évidemment. Donc il est venu se faire extraire la voiture par un tracteur, voilà, et puis pour qu'il n'y ait pas la police, etc. Et moi j'ai pas été tout de suite à l'hôpital parce que ben voilà, je voulais pas mettre en cause le conducteur, on m'aurait demandé des explications. Et en fait, ben, il se trouve que j'étais après à l'hôpital quelques jours après, parce que vraiment j'avais mal, et j'avais des ligaments des côtes qui étaient pris, qui avaient été touchés. Mais bon, bref, tout ça pour dire que cette nuit, ce rêve de je plonge se présente, se passe, et en parlant avec Elliot, j'ai l'information, bah oui, je l'ai vécu en fait dans la matière, et là c'est un rêve, et donc je vous en ai parlé hier en fait, il y a beaucoup de rêves en ce moment. Qui sont liés à notre subconscient parce que en fait ça vient épurer. On est en train de d'épurer, d'épurer, d'épurer et par nos rêves en fait eh bien on vient dissoudre ces mémoires qui sont là, qui sont stagnantes, qui sont emprisonnantes, qui font que on n'est pas bien, que ça crée ceci, cela. Donc là ça purge, ça purge, ça purge et ça purge énormément en fait la nuit pendant nos rêves, conscients ou inconscients. On n'a pas besoin d'être en conscience de ça. Donc, du coup, bah, j'ai demandé à mes équipes la dissolution de cette mémoire dans l'intégralité, sans résidu. Hop, voilà, donc ça, je demande à mes équipes de le faire. Voilà, hop, ça, next, on passe à autre chose.
Ce que je voulais vous parler, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que c'est très très important que je vous apporte cette clarté, c'est une clarté, enfin c'est un sujet que j'aborde beaucoup en ce moment, qui est les intentions, nos choix, notre responsabilité, la souveraineté, le discernement, tout ça, tout ça. Et tous ces plateaux de jeu, plateau de jeu 3, plateau de jeu 4, plateau de jeu 5, et en fait, tout ce qu'on est en train de vivre là tous. Et que c'est un énorme bordel. Tout à l'heure, j'ai eu mon rendez-vous avec Alice à 13h et c'est venu m'apporter beaucoup de clarté. Puis voilà, elle est venue encore faire descendre des choses dans mon corps. Ça a été hyper intéressant. Et en fait, aujourd'hui, nous allons beaucoup entendre, donc une fois de plus, tout ce que je vous partage, c'est mon regard. C'est moi où j'en suis aujourd'hui. Ne prenez pas ça comme une vérité, regardez juste si ça résonne ou ça résonne pas. Si ça résonne pas, vous le mettez à la poubelle cosmique. Ne remettez pas, arrêtons de donner notre pouvoir à plein de gens sous prétexte qu'on les met sur un piédestal, sous prétexte que, oh là là, c'est quelqu'un de juste génial, etc., etc. Stop, parce que personne ne détient la vérité, il n'y a pas de vérité. Ce que nous sommes en train de vivre est extrêmement complexe et universel. Multiversel, donc tant dire que ça dépasse n'importe qui. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes, de gens qui vont dire, qui vont partager des choses, hein, vraiment, c'est la vérité, machin bidule. Et donc, moi, non, c'est juste, c'est un partage et regardez si ça résonne pour vous. Sur ce chemin, on parle du divin, on parle de trouver sa divinité, de vivre son divin, etc. Ok, c'est génial, sauf que nous sommes en humanité. En humanité, donc, nous avons un corps, nous sommes un être multidimensionnel avec des parts de nous multidimensionnelles. Donc, à savoir le mental, l'ego, le corps, l'émotionnel, le féminin, le masculin, bref, l'enfant, et j'en passe, il y en a des blindes. Nous sommes un être multidimensionnel. Quand on a ces notions-là, beaucoup de partages vont être faits dans le sens de la mort de l'ego. Il faut vivre sans divin. Donc déjà, il faut mon cul, hein. Sauf que nous sommes en humanité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens galèrent? Pourquoi beaucoup de gens sont en souffrance? Parce que justement, marcher ce chemin, c'est génial. Venir expanser sa conscience, c'est génial. Sauf que on vient encore plus activer des parts de nous. On vient encore plus en maltraitance des parts de nous. Parce que nous mettons de la conscience dessus, donc on vient encore plus activer des tyrans intérieurs, on vient plus, encore plus activer, on vient encore plus se mettre en séparation que celle où on était avant, parce qu'on était sur une illusion, enfin on est sur vraiment une planète de séparation, mais c'est pas notre essence, notre essence n'est pas en séparation. Et donc, se séparer de l'ego, se séparer de ce personnage, de ses identités, on n'arrête pas d'entendre parler de ça actuellement. Oui, qui parle? Oui, mais alors là, c'est un personnage. Ah, mais là, c'est l'ego, c'est une identité, machin. Mais oui, mais bien, et heureusement, en fait. Alors, bien évidemment que c'est de, ok, il y a plein de petites morts, des morts de costumes et de personnages qui ne sont pas soutiens. Mais on est en humanité, putain. Donc, ça veut dire que, en humanité, c'est comment on se ressent, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et il y a beaucoup de gens qui vont s'abandonner au divin, qui vont s'abandonner à tout, en fait. Je m'abandonne et je me laisse faire. Non, mettre des choix, mettre des intentions, croire que juste enlever des croyances suffit à être bien, ça ne sert à rien, etc., etc. Je suis tellement pas d'accord avec ces discours. Qui sont des discours, une fois de plus, en séparation. Et c'est OK, parce que de toute façon, sur ce chemin, nous allons avoir une vérité, nous sommes en train d'expérimenter quelque chose. Et puis, à un autre moment, on a évolué, il y a des choses qui ont bougé. Et là, tac, cette vérité, qui est une vérité mordicus, ne l'est plus, parce que, bah, en fin de compte, ah bah non, ah bah, en fin de compte, je ne vis plus ça. Donc, ce que je croyais là, bah non, je ne le crois plus. Et donc, c'est constamment comme ça, jusqu'à un moment donné, où du coup, on se dit, enfin, moi, c'est là où j'en suis en tout cas aujourd'hui, c'est. Ben en fait, cette quête de vérité, ben oui, c'est une construction humaine qui nous maintient en basse fréquence. Il faut absolument avoir la vérité, il faut absolument que ce soit prouvé, il faut absolument que la majorité des humains, la loi de la majorité, vous savez,
Ben voilà, si je suis tout seul à penser ça, mais alors ce n'est pas vrai, c'est faux, puisque les autres ne le pensent pas. Enfin bref, tout ça, on est dévié de notre essence qui est dans une complétude. Ça veut dire que notre essence est en équilibre. Hein, j'essaye de faire simple parce que c'est tellement à la fois complexe, subtil, chirurgical, l'humain et tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc j'essaye au mieux de vous apporter la clarté bah, la plus simple et facile que je puisse mettre là-dessus. Et donc aujourd'hui, c'est hyper important et ça fait partie pour moi des bases de comprendre parce que le mental, il fait partie de nous. Donc partout aussi, on dit, ah bah oui, mais là, t'es beaucoup trop dans ton mental. Ah mais là, tu te poses trop de questions. Ok, mais si je suis en train de dire ça, je suis en train de dire ça, en fait, je fais du mieux que je peux. Donc partout, en fait, on est encore en train d'alourdir la personne sur, oh là là, mais oui, oh mais oui, mais elle a raison, je fais trop de mental, machin. Alors du coup, on active le tyran, on baisse en fréquence, parce qu'on est en jugement, machin. Oh là là, le mental, oh là là, le vilain méchant mental, tout ça, oh là là, l'ego, le vilain méchant ego. Enfin bref, je rappelle que les parts de soi, elles sont là. Parce qu'elles font partie de notre construction humaine. C'est qui on est, les parts de soi. Mais, en effet, les parts de nous, notre construction, n'est pas notre construction d'essence. Donc, notre job, bah, c'est, pour moi, une des bases, c'est de comprendre que nous sommes des êtres multidimensionnels, donc que nous avons des parts de nous, que ces parts de nous, bah, c'est les considérer comme si c'était des enfants, qui ont été conditionnés comme nos enfants à l'école, hein, qui sont très très vite conditionnés, voilà, avec l'ego en comparaison, à le mettre dans un rôle qui n'est pas le sien, à mettre mental dans des choses qui ne sont pas les siennes, etc. Donc du coup de mettre des rôles et des costumes et des identités à des parts de nous, alors que c'est pas du tout notre job de faire ça. Donc c'est le bordel. Donc part de nous. Ok, je prends conscience que j'ai plein de parts de moi. Deuxième chose, eh bien, je vais à la rencontre des parts de moi. Parce que ben, c'est comme si on avait plein d'enfants à l'intérieur de nous, ok. Sauf que ces enfants, jamais on a été dialogué avec eux. Donc ils sont là, c'est le bordel, ça crie dans tous les sens, ça s'agite dans tous les sens, ben, parce que ben, ils n'ont pas eu de cadre, en fait, tout ce qu'on leur a enseigné, mais c'est pas du tout qui ils sont par nature. Donc c'est le bordel. Donc, on va à la rencontre. Et l'objectif, c'est d'aller entamer un dialogue, de les pacifier, de les mettre en équilibre, ces parts de soi. L'humain est en déséquilibre total, il est en excès. Aujourd'hui, vivre au plus près de son essence, c'est vivre un équilibre intérieur. Donc, les parts de soi, ça veut dire que petit à petit, parce que ça ne se fait pas comme ça, juste, oh, bah, je vais taper la discute avec mon mental, mon ego, ou mon féminin, ou mon masculin, machin, et ça y est, c'est équilibré, machin. Non, non, et non. Oui, ça se chemine, oui, ça se muscle, oui, ça s'entraîne, oui, nous sommes en apprentissage pour être au plus près de notre essence et non pas de notre divin, c'est différent pour moi en tout cas, parce que notre essence, c'est qui on est sur Terre. Donc, qui on est sur Terre, nous sommes un humain, donc en humanité, donc un personnage. Mais partout, on veut virer absolument le personnage, les identités. Donc, notre humain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on souffre. Et moi, un de mes focus depuis des années, c'est être dans le bien-être. Donc, c'est pour ça que ça résonne pas du tout pour moi de virer l'ego, de ah oh, mais l'ego doit se dissoudre. On parle du divin, mais sans déconner, mais le divin, mais il n'a pas à être vécu sur Terre, le divin. On est en humanité, on est sur la planète Terre, on est en matière. Donc d'où on doit ce divin. Mais c'est comme on dit oui on vit pas le nouveau monde parce que déjà on est sur en fait on est trop loin l'humain, c'est une construction humaine ça aussi. C'est on a la presque la direction finale et ça y est on veut y être tout de suite. Ah ben ouais mais je le vis pas donc c'est du fake ou machin. Et alors pareil, ça fait partie des programmes humains, la patience, je veux tout tout de suite, tout ça là. Non. On est en train de déprogrammer, on est en train de transcender des millénaires de mémoire et de programmes qui sont là en nous. Et pas que pour nous, puisque à chaque fois, c'est ce que j'ai dit au début du live, à chaque fois qu'on fait quelque chose en conscience ou pas en conscience, parce qu'on chemine constamment, c'est en train de processer, constamment on est en train de processer. À chaque fois, tac, mais ça vient bosser pour tout le monde, sur Terre et pas que sur Terre. Donc, ce putain de truc de
Oui, mais alors là, c'est un personnage, machin. Il ne faut pas être avec son personnage. Il ne faut pas, machin. On est en train de virer l'humain. Mais c'est normal en fait que la plupart des gens sur ce chemin ils souffrent comme des débiles. Mais regardez ce que ça crée en fait. Mais non, non. C'est juste, ok, je viens remettre mental, ego à leur juste place, en équilibre, dans leur rôle soutien, essence. Et je vais même pas dire originel, parce que aujourd'hui, ça voudrait, quelque part, ça n'a pas de sens, tout ça. C'est la mort de l'ego. Non, non, notre humain doit vivre. Donc, un personnage. Et moi, aujourd'hui, ben, je veux être dans le bien-être. Et je le vis. Pourquoi? Parce que je le vire pas, cet ego. Parce que je ne le vire pas, ce personnage. Parce que je ne le vire pas, cet humain. Au contraire, qu'est-ce qui se passe sur ce chemin? Mais les gens, ils sont complètement perchés, sans déconner. Ils sont à parler que du divin. Ils sont hors matière, en fait. Mais c'est un retour à la vie de vivre notre essence. C'est un putain de retour à la vie, ça veut dire qu'on vit sur Terre et qu'on est dans le kiff total de vivre sur Terre, avec des nouvelles émotions, parce qu'on n'est plus avec nos émotions qu'on vivait sur le plateau de jeu 3 et 4, on est sur des nouvelles émotions reliées à notre essence et des émotions qu'on ne vivait pas avant. Moi, c'est ce que je suis en train d'expérimenter, ces nouvelles émotions. Tout à l'heure, dans le rendez-vous avec Alice, elle me stoppe le mental. Pour que je puisse accéder à ma conscience divine, pour que je puisse me brancher à mon voyage en Amérique du Sud. Et en fait, ce qui s'est passé, là, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu une incarnation Maya. Donc, c'est pour ça que je me retrouve en Amérique du Sud. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a réveillé des mémoires et j'ai pleuré. Mais j'ai pas pleuré de. C'est des pleurs, en fait, haute fréquence. C'est mon âme qui s'est manifestée en émotion. Et ça, je veux dire, on le vit régulièrement, ces émotions, vous savez, vous avez l'expansion du cœur, vous êtes en train de vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu avant. C'est pas l'amour qu'on a vécu avant sur le plateau de jeu 3, là. Non, c'est un nouvel amour, un truc que vous n'avez jamais connu, une expansion du cœur, et c'est là, waouh, mais c'est un truc de dingue, et puis on a envie d'y rester tellement c'est bon. Bon, bah ça, c'est les nouvelles émotions haute fréquence, ces émotions reliées à notre essence. Et donc, là, en ce moment, moi, on me fait expérimenter la joie en plénitude. Et c'est pas la joie telle que je l'ai connue. Mais tout ça, si on vire notre humain, si on vire notre humanité, si on vire notre ego, mais comment vous voulez vivre tout ça? Donc, c'est encore des séparations, mais qui ne sont pas vues, et c'est OK. Mais moi, je viens juste vous partager ce que je chemine, ce que je vis, ce que j'incarne, ce qui descend dans mon corps. Ces évidences qui se manifestent, et qu'en effet, en aucun cas, on doit virer des parts de nous. Au contraire, hein, c'est important d'aller à leur rencontre, c'est important de les bichonner, c'est important d'aller dialoguer avec elles. Tout à l'heure, je vais faire un cours de stretching. Donc vraiment, et ça c'est important, pendant le cours de stretching, moi je ferme les yeux. Pourquoi? Parce que quand on a les yeux ouverts, faites l'expérience, alors notre regard il est à l'extérieur. Quand on ferme les yeux, alors on rentre en soi. Et c'est beaucoup plus facile de rentrer en soi les yeux fermés que les yeux ouverts. Donc moi pour être pleinement à l'intérieur de moi, parce que ce matin, je me suis réveillée, les yeux explosés, j'avais des cernes jusque-là. Donc on était un certain nombre à vivre ça aussi. On s'est dit, mais je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais ça a été encore un truc de dingue. Voilà, donc vraiment, il a fallu que j'émerge. Et alors avant de vous parler ce qui se passe au stretching, je vous partage ce qui se passe. On se fait des audios avec ma copine, hein, et elle me partage ce qu'elle est en train de vivre avec sa petite mamie. Et en fait, ben là, sa petite mamie, elle a tout donné pour elle, elle a tout donné, elle a, mais c'est un truc de ouf, l'implication qu'elle a mis avec elle.
Elle a été dans des hôpitaux, elle a été faire des démarches sociales, elle a été faire plein de choses, des cours, des machins, des bidules, enfin bref. Et là, pendant qu'elle était avec sa mamie, il y a une copine de la mamie qui appelle et la mamie a dit ouais, non, mais moi j'ai pas envie de la voir, tout ça, enfin bref. Donc elle dit répondez à ma place. Et donc elle répond, ma copine est hyper douce. Et elle lui dit, ben voilà, elle lui explique que, ben non, là, elle a besoin de se reposer, etc., etc. Bref, et elle était à côté de la mamie. Et ben figurez-vous que là, elle est en train de l'incendier, la mamie. Elle est en train de lui dire, ouais, mais comment vous avez parlé à ma copine, machin. Enfin, elle est en train, il y a son tyran intérieur qui est là. Donc ce tyran intérieur, on est nombreux à l'avoir vécu ou à le vivre. Moi, je l'ai vécu où j'avais en moi, c'était une dualité de dingue, où il y avait des fois, selon avec qui j'interagissais, ça me le faisait énormément avec mon mari, eh bien, ou avec mes enfants, ou avec des personnes de ma famille, je me mettais à dire des choses ou à faire des choses odieuses. Et je ne le contrôlais pas. Donc il y avait un tyran à l'intérieur de moi qui était en train de... Mais c'était horrible. Donc j'étais... C'est comme si, bah, il y avait quelque chose qui passait à travers moi, qui parlait, qui faisait des choses. Et après, je m'en voulais, je me disais, mais tu te rends compte comment t'as parlé et qu'est-ce que t'as fait? Et je me détestais dans ces cas-là. Donc j'avais des oppositions en moi, des dualités, des choses qui se vivaient. Et quand on vit ça, c'est parce que on a eu une histoire de vie, et surtout nous, dans nos générations, ceux qui ont 50 ans à peu près, plus, nous avons eu une construction humaine, nous avons été éduqués avec des parents qui étaient dans une grande toxicité souvent, qui étaient... Dans beaucoup de confrontations intérieures, qui étaient avec beaucoup de conflits intérieurs, qui étaient avec d'énormes blessures, des traumas. Donc on a vécu, nous, des toxicités très tôt, des conflits très tôt, nous avons vécu plein de choses, en conscience, pas en conscience, bref, nous avons vécu des choses extrêmement abyssales et souffrantes, qui fait que nous nous sommes construits avec notre âme qui nous a pilotés malgré tout, comme on pouvait. Donc c'est ces moments où on suit quand même ce fil d'Ariane, ce guide qui est là. Et puis des tyrans intérieurs qui sont là avec plein de conflits. C'est des conflits de justement des parts de nous, des parts de nous blessées, traumatisées, etc., etc. Et donc là, elle a tout donné et elle s'en prend plein la gueule. Et je lui dis, bah oui, là, ben tu vois, on te positionne sur l'abus, on te positionne sur ton positionnement, on te fait vivre l'expérience parce que ben, y a des choses qui sont là, qui se manifestent dans la matière pour te faire voir où tu en es et regarder qu'est-ce que tu fais avec tout ça. Si tu le vis, c'est que tu le vibres. Alors pareil, il y en a qui vont dire oui, machin, ce qu'on vit, enfin, il parle quand ce n'est pas relié à nos vibrations. Ok, c'est ok, voilà, moi je suis juste en train de vivre tout le contraire. Et je ne peux que vous parler de ça, puisque, bref, c'est juste une évidence, puisque je le vis à chaque instant. Bref. Donc, c'est vrai, voilà, on vient, et moi, j'ai vécu tellement aussi, par exemple, dans un de mes jobs, où on donne tout, et en fait, bah, c'est nous qui en prenons plus plein la gueule, alors que ceux qui font n'importe quoi, alors eux, ils sont mis sur un piédestal. Donc, on est nombreux à avoir vécu ça. Et donc, bah là, on donne tout, on est à aider, on plonge avec l'autre, machin, et on s'en prend plein la gueule. Bref, c'est parce que c'est des zones d'abus qui ressortent, et en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur l'abus qui ressort. Et donc, quand j'interagis avec elle, en fait, à un moment donné, je dis, bon, là, je vais prendre ma douche, et je sens qu'en fait, j'avais plongé dans son histoire, et que c'est venu me faire descendre en fréquence. Je vais sous ma douche. Et là, ça me dit, et donc ma douche, et oui, c'est mon baromètre, c'est ça me met de l'eau tiède. Ok, faut que je remonte en fréquence là. Donc pour ceux qui me suivent, ils vont comprendre. J'en ai parlé récemment. Ces histoires d'eau tiède chez moi. Et donc, je dis, ok, je vais monter en fréquence. Et puis ça suffisait pas. L'eau continue à être tiède. Ok. Donc là, j'ai l'élan de faire des sonorités vibratoires. Et là, donc je laisse émerger des sons. Et là, en fait, il y a l'eau, ça y est, qui commence à chauffer. Donc, en effet, les sonorités vibratoires me permettent de remonter en fréquence. Mardi, dans mon cours de yoga, nous faisons des om. Et là, je les refais dans ma douche. En fait, selon vous vous positionnez en vous,
Vous, oh, coucou Martine, vous n'allez pas émettre les mêmes sonorités vibratoires. Vous pouvez faire l'expérience, parce que de toute façon, vivre l'expérience, c'est tellement puissant, parce que vous le vivez en humanité, et ça change tout. Donc, je vous invite vraiment à vivre l'expérience. Vous vous mettez en position et vous allez chanter des om. Vous vous connectez, et même sans savoir quoi faire, vous vous demandez juste d'être sur votre chakra racine. Vous allez voir que quand vous êtes en bas, c'est des sons très graves, parce que vous êtes en ancrage, vous êtes à la terre. Donc, moi, je fais un om en bas, et là, c'est vraiment un son grave. Oh. Et en fait, quand vous le faites, vous montez, et vous le faites, faites-le au troisième œil ou au chakra couronne. Vous allez voir que les sonorités sont pas du tout les mêmes. Quand vous montez en haut, vous allez voir que les sonorités sont beaucoup plus aiguës. C'est beaucoup plus éthéré. Oui, bah parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. On est vraiment sur le féminin, la création, la créativité, les sens, donc des choses beaucoup plus hautes. Et donc les sonorités sont pas les mêmes. Et donc les vibrations ne sont pas les mêmes. Et donc ce matin, eh bien en sortant ces vibrations, ça m'a remonté en fréquence. Et c'est vrai que je le sais pour avoir fait l'opus d'Anne Solène sur les sonorités vibratoires. On avait été les visiter d'un point de vue multidimensionnel. On est venu vraiment faire descendre en nous ces sonorités vibratoires pour les vivre et pour les déployer. Et du reste, il y a quelques jours, pendant 2 matinées, quand j'ai pris mes douches, j'ai eu vraiment des sonorités qui sont venues toutes seules. Et là, c'était vraiment des sonorités, mais vraiment qui venaient de la terre, qui venaient de des choses que je connaissais pas en fait, qui étaient jamais sorties par mes sons. Et c'était vraiment des choses comme si on était en train de venir me faire vivre des choses de la terre, de choses de mémoire qui sont là, ancestrales. Et c'était vraiment waouh, un truc de dingue. Bref. Donc, à mon cours de stretching, je ferme les yeux, je fais mon stretching, où j'étais vraiment dispersée en amont. Donc, j'arrive et vraiment, tac, je rentre en moi. Juste en amont, je discute avec quelqu'un. Bah, du reste, elle va sûrement se reconnaître parce qu'elle me dit « Ah, t'es pas en live ?» Je lui dis « Ah bah non ». Elle me dit « Oui, je regarde tes lives, tout ça ». Et c'est une dame qui est plus âgée que moi et qui est vraiment en conscience, qui... Et du coup, on a parlé, voilà, de nos rêves, de ce qui se passait en ce moment, etc., que ça allait très vite, qu'il se passait plein de choses tous les jours, bref. Et donc vraiment, c'était important pour moi d'être à l'intérieur de moi, de revenir en moi, d'être vraiment en moi, vraiment à l'intérieur de moi. Donc je ferme les yeux et là, tac, ça me permet d'être là, en moi, d'être en présence avec mon corps. Donc vraiment, ça me fait super du bien. Et fin de la séance. Tac, je me relève et là je sens une micro-douleur dans mon sacrum à gauche. Myriam, je le fais souvent et les ohms sont puissants. Ah mais carrément, je vous l'avais déjà partagé. Moi je l'avais fait en 2017 quand j'avais fait ma formation en Ayurveda. J'avais expérimenté de faire des ohms pendant 10 minutes chaque jour. C'est là où j'ai commencé à avoir la température corporelle qui fait comme des bouffées de chaleur. Et c'est aussi extrêmement puissant pour des personnes qui sont cancéreuses, parce que ça vient agir justement sur les maladies. Bah, pourquoi? Bah, parce que déjà le home, c'est le son originel. Et là, vous êtes avec des sonorités vibratoires, vous venez activer des choses en vous inconsciemment, juste avec des ohms, mais c'est extrêmement puissant. C'est un puissant process de recentrage, le home. Moi, je m'en suis beaucoup servi quand j'ai fait ce cheminement et que c'était abyssal et que j'allais pas et que j'étais extrêmement dispersée, j'ai fait beaucoup de om. Vraiment, c'est très puissant. Donc, vraiment, je sens une douleur au niveau du sacrum à gauche. Donc, il faut savoir que à gauche, c'est l'être. À droite, c'est le faire. Christelle, oui, je travaille beaucoup le om aussi. Ah, bah, merci pour vos retours. Ouais, c'est d'une puissance, vraiment magnifique. Et du reste, les moines bouddhistes se servent du home. C'est quelque chose qui est extrêmement chanté par eux, qui est très puissant. Et donc, micro-douleur, et là je me dis, ok, donc le côté gauche, donc c'est l'être, c'est le féminin, c'est tout ce qui est relié à la mère, à la créativité, à l'être, etc.
Et donc on a été voir avec Alice en séance justement, et ça parlait de ce que j'ai vécu. Pour ceux qui me suivent, je vous en ai parlé cette semaine, ce que j'ai vécu en rapport avec Arnaud qui m'a sollicité. C'était quand? C'était mercredi matin, alors que j'allais partir au yoga, qui me fait une demande, etc. Bref. Et en fait, elle me dit, est-ce que tu as vécu là des choses par rapport à un positionnement, tout ça? Et donc, je lui partage ce que j'ai vécu entre lui, les enfants, enfin bref. Et elle me dit, donc je lui partage, elle me dit, en fait, il y a amalgame. Il y a amalgame, donc elle est venue remettre de la clarté sur ce qui se jouait, et qu'en fait, c'était pas du sacrificiel que j'étais en train de vivre, parce que l'autre en face me fait une demande. Et donc, en fait, ce qui se passe, donc c'est hyper intéressant, ça va parler à certains qui bossent déjà avec les parts de vous, néanmoins Myriam, quand on bosse avec les parts de soi, et Christelle aussi, je crois que tu bosses aussi avec les parts de toi, hein, en fait, quand on est dans les espaces d'assaut de Aude, de Sophie Andlauer ou de Alice, nous bossons automatiquement avec les parts de nous. Et en fait, qui est une très belle découverte du reste de Sophie Andlauer, entre autres, bref. En fait, ce qui se passait, c'est que souvent, nous sommes en opposition à l'intérieur. Ça veut dire que c'est pour ça que ça amalgame et que ça bug. Parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est Arnaud m'appelle pour me dire, j'ai besoin de mon téléphone, si je ne l'ai pas, je ne peux pas travailler. Je sais que c'est hyper important pour lui, son travail. Là, il se démène comme un débile parce que nous partons au mois de juillet, un an en Amérique du Sud, qui laisse sa société à ses mecs, qui sera en distanciel mais très peu là. Donc, qui bosse comme un débile pour que ses clients soient complètement opérationnels et satisfaits avant qu'il parte. Donc, jusqu'au mois de mars, au moins, il cravache, donc il fait beaucoup d'heures, donc il travaille beaucoup. Moi, par ce que je lui permets de vivre, je lui enlève complètement la charge de tout, en fait. Lui, il n'a qu'à penser qu'à son travail, plus aussi son immobilier, puisqu'il est en plein dans l'immobilier aussi. Du reste, le petit tip, c'est que, pendant un an, il n'a pas eu de loyer sur quelque chose et il était parti dans une direction. De faire une extension sur une maison qui était justement, il y avait besoin de beaucoup de travaux parce qu'elle n'était plus aux normes, et sur une discussion, parce qu'on lui faisait une proposition à 400 000 euros pour faire une extension, je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas raser la maison et tu vas prendre un constructeur, tu l'as déjà fait, et tu fais une maison neuve qui au moins sera comme tu veux, parce que là, 400 000 euros, enfin, faut arrêter le délire et homme, quoi. Et figurez-vous que il me dit, ah mais j'ai pas du tout pensé à ça, tout ça. Co-création, hein, voilà. Et du coup, il a fait faire un devis. Et là, il va travailler avec un constructeur. Il va avoir une maison à moins de 200 000 euros avec le fait qu'on lui rase la baraque. Donc, autant dire que, voilà. Mais quand on est comme ça, on n'a pas une vision large, on ne travaille pas avec autre chose que notre mental, qui lui est sur des référentiels. On est vite dispersé aussi. Et donc, du coup, là, c'est moi qui lui ai mis cette opportunité qui permet, là, il va avoir une décharge. Je lui dis, mais tu te rends compte, tu n'as rien à gérer. Le constructeur te fait tout. Et en plus, il va même lui mettre son premier locataire dedans, alors que nous, on sera en Amérique du Sud. Bref. Il donne OK la validation et il n'a rien à gérer, aucune charge mentale. Donc franchement, c'est du pain béni. Bref, mais il n'y a même pas pensé alors que lui, il a un parc immobilier de dingue. Enfin bref, il a déjà pris des constructeurs pour faire des choses. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. La petite aparté aussi d'être dispersé. Je vais à mon espace pro tout à l'heure pour récupérer des choses. Mon local était ouvert. Il est très bien protégé parce que j'ai quand même beaucoup de choses dedans. Il était ouvert, il n'était pas fermé à clé et depuis plusieurs jours, hein, parce que j'ai demandé à Arnaud d'aller me récupérer un truc. Mais il a tellement, tellement, tellement de charge mentale que il y a plein de choses qui passent à l'as. Et là, il a été me récupérer des choses et il n'avait pas fermé à clé mon espace. Bon, et voilà, voyez, tout s'est bien passé. Bref, pour revenir à ce qui se passe par rapport à mon sacrum, par rapport à l'amalgame.
Moi, j'étais sur, OK, Arnaud me demande quelque chose, c'est important pour lui, il faut qu'il travaille, mais moi, c'est important pour moi d'aller faire mon yoga. Et là, en fait, j'étais en opposition intérieure parce que je veux me prioriser, je veux être dans le respect de moi, donc aller faire mon cours de yoga parce que j'en ai besoin. Mais il y a une part de moi, une autre part de moi qui, elle, se dit, oui, voilà. L'homme, je suis encore avec quelques résidus d'abus, en fait, d'abus d'hommes en supériorité, en patriarcat. Il y a des mémoires qui sont là. Et donc, il y a des parts qui s'opposent. Et donc, il y a une part de moi qui dit, non, mais moi, je veux le respect de moi. Et puis, une part qui dit, oui, mais moi, je veux la paix. Et donc, ça s'oppose. Donc, dans ces cas-là, en fait, c'est d'aller donner une priorité à ce qu'on veut vivre. Et vivre aussi au plus près de son essence, moi c'est ce que je suis en train de faire vraiment actuellement, c'est aussi chaque part de soi arriver à les mettre en équilibre et dans le plein. Ça veut dire que chaque part est pacifiée, est équilibrée, il n'y a plus cette notion de dispersion, de mémoire, de programme, de choses qui ne sont pas soutien, de choses qui ne sont pas reliées à notre essence. Et en fait, l'objectif, c'est que, OK, chaque part, OK, cette part est équilibrée, cette part est équilibrée, cette part est équilibrée, cette part est équilibrée. Chaque part est en harmonie, chaque part est dans le plein. Et à partir de là, tac, vivre l'intégralité de toutes les parts dans le plein. Et là, on vit toute autre chose. Je ne sais pas si c'est très très clair parce que c'est quand même assez complexe tout ça, mais moi, c'est une évidence aujourd'hui. Et beaucoup de clarté qui est en supplément. Et merci à Alice de me permettre tout ça. Voilà, parce que moi je pensais que j'étais dans non, là j'ai des amalgames entre le respect de moi, le sacrificiel, etc. Et c'est OK parce que ça, on chemine et que voilà, c'est pour ça aussi que je vous dis toutes ces histoires de vérité, de c'est ça, etc. Humilité dans le sens où non, ça bouge tellement que oui, on a la sensation d'avoir compris ou de vivre le truc et c'est ok en fait, on n'en a rien à foutre de il y a trop de pression aujourd'hui sur ce chemin, on se met trop la pression, on donne trop notre pouvoir à l'extérieur sous prétexte que on met quelqu'un sur un piédestal, que cette personne on l'apprécie beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui, qui que ce soit, personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Votre essence, elle est unique. Votre essence, nous sommes tous une géométrie sacrée différente. Nous sommes tous une unicité. Nous sommes tous un joyau, un cristal, mais qui a des formes propres à chacun. Donc, ce qui va valoir pour l'un ne vaudra pas pour tout le monde. Et ça, c'est tellement important parce que aujourd'hui, il y a trop de concepts, il y a trop de discours, il y a trop de choses qui sont proclamées comme une vérité universelle. Mais il n'y a pas de vérité universelle. Et vous savez quoi, tout à l'heure, parce que moi, je co-créais pas encore avec ma conscience divine parce que je n'avais pas confiance. Et en fait, et c'est comme ça parce que j'ai des choses à régler aussi, comme tout le monde. Et en fait, elle m'a fait accéder à ma conscience sans qu'il y ait mental pour pouvoir la vivre, pour pouvoir vivre l'expérience, pour pouvoir lui faire confiance. Et en fait, aujourd'hui, justement, quand on dit on s'abandonne au divin, donc, eh bien, on abandonne notre humain et on vit de la merde, hein, parce que moi, aujourd'hui, les gens que je connais qui s'abandonnent au divin, qui veulent pas être dans des choix, non parce que c'est le personnage, non parce que c'est l'ego, non parce que c'est celui-là, ils vivent de la merde, je suis désolée. Et c'est ok, c'est leur choix, enfin, c'est leur choix, parce que justement, non, je n'ai rien à choisir. Plus haut que moi, c'est mieux que moi. Mais sans déconner, on est en humanité, quoi. T'as envie de vivre quoi en humanité? Moi, en humanité, j'ai envie de vivre la légèreté, j'ai envie de vivre la simplicité, j'ai envie de vivre le fun, j'ai envie de vivre la joie, j'ai envie de vivre, d'être authentique. Voilà, j'ai envie de vivre tout ça. Donc, c'est mon humain. Donc, je choisis en fait. Donc, je pose des intentions et je pose des choix et je choisis et je prends ma responsabilité. C'est tellement facile de dire, c'est tellement facile, mais en attendant, c'est tellement facile de dire, ah ouais, mais moi, c'est pas moi qui manage. L'humilité, c'est pas moi qui manage, mais mon cul en fait. Ok, vas-y, et tu vis que de la merde et tu souffres. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre. Et c'est ok parce que chacun vit ce qu'il veut sur cette planète Terre. Moi, j'en ai rien à foutre en fait.
Moi, mon objectif, c'est d'être dans le bien-être, c'est d'être bien, c'est d'être dans la légèreté, de m'amuser, de kiffer mon incarnation terrestre, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, par ça, je suis en train de contribuer un max autour de moi. Bah, quoi d'autre, en fait? C'est le kiff. Donc, je fais des choix. Donc, je pose des intentions. Donc, je suis en maîtrise de mes espaces. Donc, je vis avec mon humain. Donc, je vis avec les parts de moi. Et au-delà de ça, c'est OK. Pareil, on a nos équipes, donc on a tous nos équipes. L'autre fois, il y a quelqu'un qui me disait, Sophie, tu parles de tes équipes, je ne comprends pas trop. Ben, en fait, on a tous des équipes. En conscience, pas en conscience, et c'est on s'en fout. Savoir qui c'est, on s'en fout. Nous avons des équipes qui sont là pour nous contribuer. En cours de route, on peut changer d'équipe. Moi, c'est ce que j'ai fait l'autre fois. J'ai fait un changement d'équipe parce que celle qui était avec moi depuis toujours n'était plus en adéquation avec qui je suis aujourd'hui. Donc, eh bien, je les ai remerciés et j'ai fait un changement d'équipe avec des équipes qui ont d'autres arts sacrés, qui ont d'autres capacités, etc. Donc, je viens co-créer avec elles. Et je viens co-créer. Je ne viens pas m'en remettre à mes équipes. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est aussi là discernement sur à qui on donne notre pouvoir, en fait. Et c'est donner à qui va en fait un peu manager tout ça là. Nos équipes, et ça merci à Alice aussi de mettre cette clarté parce qu'elle est spécialiste en navigation multidimensionnelle. Nos équipes, ben, elles ont aussi une histoire. Eh bien oui, parce que ce sont d'autres énergies. Et chaque âme a son histoire. On est d'accord. Nous avons tous notre propre histoire. Donc, nous n'avons pas tous les mêmes talents, nous n'avons pas tous les mêmes arts sacrés, nous n'avons pas tous le même vécu, nous ne vivons pas tous les mêmes choses. Et nos équipes ont beau être en plus haute fréquence, ben, elles ont des arts sacrés différents. Donc, c'est OK. Aujourd'hui, moi, ça fait sens pour moi, je vais faire confiance à ma conscience divine et je vais demander ce que j'ai à demander à ma conscience divine. À mes équipes, je vais co-créer avec elles, mais c'est pas elles qui vont me manager. Je suis en mon humanité. Elles vont m'aider sur des choses. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai eu cette mémoire vis-à-vis de cet accident de voiture qui s'est rejoué cette nuit dans mon rêve, j'ai été demander à mes équipes de dissoudre cette mémoire. Parce que eux, ils savent faire. Ils savent faire et ils vont le faire vraiment de la manière dont j'en ai besoin. Ma conscience divine, elle va me manager pour d'autres choses. Elle va m'aider pour d'autres choses. Elle va me guider. Mais mes équipes, eux, ça va être sur d'autres choses. Donc, discernement aussi. Et en fait, c'est venir mettre de la clarté sur tout ça, comment ça se passe, nos équipes, etc. Et elle m'expliquait, Alice, elle me disait, moi, il y a une fois, il y a mes équipes qui m'ont dit, ah non, non, va pas là, parce que là, c'est hyper dangereux. Mais eux, ils partageaient leur expérience et ce qu'ils ont vécu. Mais elle, avec ce qu'elle recevait et de ce qu'elle captait, elle dit, mais non, mais moi j'y suis déjà allée, j'ai eu aucun problème. Donc, ok, merci, vous me donnez une indication, une information, mais moi, je choisis pas de vous écouter parce que c'est pas ce que j'ai vécu et j'y vais avec du discernement, mais moi, j'y vais en fait. Et ça se passe très bien. Et c'est comme, aujourd'hui, on va vous parler des doubles, par exemple. Vous êtes sur un autre plan, parce qu'il se passe ça sur un autre plan, alors vous le vivez ici en humanité. Donc vous le vivez mal parce que l'autre, il est mal sur l'autre plan, votre vous sur l'autre plan. Mais d'où, en fait, pareil, on est en train, une fois de plus, de remettre notre pouvoir à l'extérieur, dans le sens où, mais c'est pas parce que c'est un double, c'est pas parce que c'est un autre plan que ça doit venir nous parasiter en cette. Là, tout de suite, dans cette humanité, non. Et moi, aujourd'hui, c'est niet. Et ça se structure. Mais ça demande, bah oui, de la clarté, du discernement, tout ça, pour. Mais qu'est-ce que je choisis, en fait? C'est des choix. C'est des putains de choix. Et aujourd'hui, c'est tellement il y a ce truc de non, non, mais moi, humilité, je ne fais pas de choix, parce que c'est pas moi qui décide. Et on dit, ah bah oui, mais c'est ton ego là, ton personnage, tu décides, machin. Bah ouais, bah oui, bien évidemment.
Donc sortir de tous ces trucs de non, je m'en remets. Et c'est OK, si, je veux dire, ceux qui ont envie de le faire, y a, enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas en train de dire ne le faites pas. Je suis juste en train de vous partager mon expérience, en fait. Et faites-en ce que vous en voulez. Mais moi, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vis, moi, Sophie, humaine, en fait, je suis humaine. Je suis tellement humaine et je vois bien que aujourd'hui, je reviens dans le monde, je vis dans le monde, je suis pas en exclusion ou en séparation du monde, non, je vis avec n'importe qui. Hier, je croise un mec, un sans-abri, et je tape la discute avec lui, et c'était tellement léger, et je me suis pas sentie intrusée, parce que bah déjà, j'ai été visitée et épurée tellement de mémoires d'abus qui étaient là en moi et d'intrusion. Et du coup, ben, on a passé un super moment, et c'était léger, et c'était joyeux, et c'était beau, en fait. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus en séparation de qui que ce soit. Vous mettez Emmanuel Macron en face de moi, ou n'importe qui, en fait, mais on va se taper la discute pareil. Mais on est aujourd'hui dans plein d'espaces de séparation. Je combats ceci, voilà, les gentils, les méchants, on en a parlé hier, tout ça. Non, non, non et non. Voilà, on sait vivre dans le monde à partir d'un monde intérieur qui est de plus en plus en équilibre et pacifié, au plus près de son essence. Et là, je vis une nouvelle réalité à partir de mes choix, de mes intentions, de ce que j'ai envie de vivre en humanité. Nous sommes en humanité. Et là, ce niveau 4, ce plateau de jeu 4, qu'est-ce qu'il fait? Il déshumanise. Il déshumanise. Et on parle de déshumanisation en plateau 3? Mais on s'en rend même pas compte qu'au plateau 4, on fait aussi de la déshumanisation. On est perché, on est, oh bah oui, mais moi je suis avec mes frères galactiques, machin, tout ça, je l'ai fait. Hein, donc voilà, c'est juste en train de vous partager des trucs que j'ai tellement fait, d'accord? Et j'étais tellement plus dans ce monde, et j'étais tellement en séparation de mon mari, et j'étais tellement en exclusion du monde, des gens, c'est tous des cons, de toute façon, ils n'ont rien compris. Moi, je comprends, oh là là, mes frères pléiadiens, c'est juste, oh là là, et puis je pleurais parce que je voulais pas vivre en humanité, parce que c'était trop difficile. Ok, on est en putain de séparation, et c'est ok, parce qu'si on le vit, c'est qu'on a à le vivre. Mais on peut tellement sortir de tout ça, on peut tellement vivre en humanité, et c'est disponible maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le volet 2 pareil, le volet 2, j'en ai parlé à Alice, c'est d'aller voir, j'ai des oppositions par rapport à ce volet, qui fait que je ferme des portes, en fait. Donc, là, je vais aller voir les oppositions et ce qui se joue pour pouvoir le proposer en fluidité et surtout en ouverture, ce volet 2. Ce volet 2 de la Bibliothèque Vivante Nouvelle Terre, c'est un espace où justement je vais vous partager, et puis là en plus ça processe tellement vite que je vais vous partager vraiment plein de choses de ouf, des outils transformationnels, simples, rapides, efficaces, donc vous pouvez vous servir au quotidien pour vous et vos relations, mais aussi pour vous avec les parts de vous. Et l'objectif, c'est de s'alléger, de trouver un équilibre, de trouver une fluidité à l'intérieur, parce que qui dit vivre la fluidité à l'intérieur, dit vivre la fluidité avec ses relations. Voilà. Donc c'est vivre une relation avec soi plus apaisée, plus en équilibre, et donc en conséquence naturelle avec les autres. Voilà. Donc ça, c'est le volet 2. Le live se fera le jeudi 7 décembre à 12h30. Ça restera en replay. C'est un espace accessible à vie et c'est un espace vibratoire encodé avec tout ce que j'émane. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je vois qu'Eliott a essayé de m'appeler. Je suis en train de regarder. J'avais tellement de choses à vous partager. Est-ce que je vous ai partagé tout ce que je voulais vous partager? Bah oui, génial. Super. Donc en fait, en résumé, c'est le personnage, l'ego, l'identité, c'est qui je veux être en humanité. Voilà, qui je veux être en humanité. Et donc, qui je veux être en humanité nécessite des choix, des intentions, des positionnements et d'être en clarté sur tout ce que je vous ai partagé en amont. Voilà, les amis. Je vous souhaite une très belle soirée. Moi, je vais aller faire le sapin ce soir. Alors, un sapin qui, comme l'année dernière, c'est le sapin qu'a créé Elliot
Elliot, c'est mon numéro 2 qui a 14 ans, qui est dyslexique, et c'est un sapin qu'il a fait avec des morceaux de bois. Voilà, donc on va le monter. Et puis notre dernier pour voilà notre Noël que nous allons faire ici, nos fêtes ici, puisque l'année 2024 nous serons en Amérique du Sud. Donc on va faire le sapin tout à l'heure. Voilà, on va mettre plein de lumière et de magie qui se vit déjà en nous, mais on vient encore plus l'expanser en mettant plein de petits trucs. Moi j'adore tous les trucs, les guirlandes, tous les petits trucs qu'on accroche qui sont super beaux, les lumières, les LED et tout, j'adore. Voilà, c'est vraiment vivre, vous savez, cette magie d'enfant et ben, pouvoir la vivre en adulte et vivre au plus près de son essence, c'est ça aussi, moi c'est ce que je vis maintenant. C'est vraiment vivre cette magie à l'intérieur de soi et la vivre au quotidien. Voilà, c'est disponible, c'est en nous. Et si on ne le vit pas, tout ce qu'on ne vit pas, c'est simplement que c'est sous des couches. Mais c'est là, c'est en nous. C'est qui on est par essence et aller au plus près de notre essence. Voilà, merci Christelle. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et à demain ben, pour une nouvelle aventure. Parce que c'est vraiment une aventure chaque jour. Juste de ouf et incroyable et je suis vraiment super contente de pouvoir vous partager tout ça qui est juste de ouf de pouvoir vivre tout ce qu'on vit vraiment chaque jour maintenant. Quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau. Voilà, merci et merci à tous d'être là vraiment parce que c'est tous ensemble, main dans la main, que nous pouvons puiser cette force et au-delà, on la puise en nous aussi, mais c'est aussi de pouvoir interagir. Interagir entre nous. C'est ce que me partageait cette copine cette nuit qui est à l'autre bout du monde, qui me disait merci pour tes partages parce que bah, du coup, oui, on se sent moins seul et puis on interagit aussi, on se fait des audios ou des partages en Messenger et ça soutient parce que bah, dans notre quotidien, c'est vrai qu'on ne le fait pas forcément et c'est essentiel. Voilà. Merci, merci, merci. Plein de paillettes, plein de lumière et à demain pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Bye.